Eh bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui, surprise, pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Allez, un premier épisode d'une petite aventure, une petite map aventure qui j'espère va vous plaire. Ça sort de nulle part et ça me fait plaisir, c'était vraiment ce que j'attendais. Je voulais vraiment qu'on se retrouve pour une aventure, vous et moi, tranquillement. Ça va durer peut-être 4, 5, 6 épisodes, qui sait peut-être 10 épisodes je pense. Pour cette map CTM, une map complete de monuments. Pour ceux qui ne connaissent pas quel est le but d'une map Minecraft CTM, le but c'est de compléter un monument. Alors il y a tout un scénario en général dépendant des maps, mais le but du jeu c'est de récupérer, voilà, soit différents CD ou différentes laines et remplir le monument de la victoire globalement. Et c'est comme ça qu'on termine une map aventure. Vous allez très vite comprendre, les nostalgiques évidemment, vous connaissez ce type de map. J'en ai fait énormément auparavant sur ma chaîne YouTube, c'était juste absolument incroyable. Aujourd'hui on est sur une map qui s'appelle The Hub et qui a été créée par EddyPR3 avec The Tofu Monarch. Voilà, The Tofu Monarch, pour les deux créateurs de cette map aventure que nous allons donc découvrir ensemble. Voilà, petite aventure tranquillement, tranquillou-bilou, sans prise de tête sur Minecraft, et ça fait du bien, ça fait plaisir, voilà, je vous le dis. Donc on se retrouve ici dans une petite chambre, on s'est fait réveiller en fait, hein. Il y a eu une alerte, un monstre, une apocalypse globalement qui vient de commencer à Washington City. Donc Washington, t'as compris, il y a une apocalypse. Nos gardes sont capables de repousser les monstres, mais la ville a pris quand même des dommages considérables et les monstres sont en train de venir. Donc tous les citoyens doivent évacuer immédiatement. Donc voilà, on vient d'être réveillé par ce message d'alerte. On peut voir en effet les vitres déjà cassées. Donc on va vite évacuer, bien sûr. Petit clin d'œil, bien sûr, vous voyez derrière moi, nouveau décor. Voilà, je voulais pas trop en parler, c'était la petite surprise également, nouveau décor derrière. On aura l'occasion évidemment d'en parler par la suite, lorsque je reprendrai les lives notamment. Alors, en cas d'évacuation, qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche, on reste calme et surtout on prend ce dont on a besoin. Voilà, donc je me suis permis de prendre ce qu'il y avait dans le coffre. Alors, on a déjà du feu en bas, on va essayer de pas tomber. Ok, ici c'est condamné. Ok, qu'est-ce qui se passe par ici? Donc on descend, ouais, en effet la ville commence déjà à être bien détruite. Donc là je ne peux pas descendre, il faut que je descende ici. Ok, j'ai un coffre juste ici avec ancien stachy et une échelle. Alors, on a bien l'air mignon là maintenant avec l'échelle. Ah voilà, parfait, on peut la placer ici. Du coup on vient de récupérer l'ancienne stachy, je ne sais pas à quoi ça sert. Vérifions tout. Donc voilà, c'est les maps un petit peu énigmes où il peut se cacher pas mal de petites choses. Bon là j'imagine je dois descendre. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que je suis censé faire? Peut-être casser ça? Non, pas du tout. Alors, on va essayer d'analyser quand même. Qu'est-ce que j'ai foiré là? Non, là on a tout vu. Le coffre a disparu même. Très bien. Mais écoutez, on va remonter du coup. On vient de là. On peut monter encore là. Voilà. Ah non, c'est condamné également. Ah ah! Ok, je peux casser, je peux casser. Ok, c'est bon. Alors attends, ça va être très très long, je vais me mettre ici. On peut casser. Voilà, on va y arriver avec cette fameuse hop, la trappe d'or. Donc la crowbar qui permet de casser donc les trappes d'or en fer. Parfait, on peut monter ici. Waouh. Oh, bonjour monsieur. Dépêchez-vous, sautez dans la piscine, dans l'eau. Hein? Où c'est qu'il y a une piscine? Je vois pas de piscine moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est censé avoir une piscine monsieur? Toi saute en premier et jump down to that pool of water. Mais où c'est qu'il y a de l'eau frérot? Je suis désolé, je suis aveugle. Ah là, putain j'avais pas vu. Voilà, j'ai eu chaud là. J'ai eu chaud au kiki. Eh monsieur, descendez hein. Oh là là, quel héros. C'est un héros le mec. Attends, je veux juste vérifier, voir ce qui se passe par ici. Washington City, ah ouais d'accord, ouais. Donc là c'est condamné vraiment. Donc on va vite s'enfuir le plus rapidement possible bien sûr. Bonjour madame. Ce chemin, dépêchez-vous, les monstres arrivent. Ok, Stone Hollow Cave. Donc il faut absolument trouver une safe zone le plus rapidement possible. Bien sûr c'est l'apocalypse, hein, c'est l'apocaslip. Bonjour inconnu. Prenez ces gliders dans les barils pour aller plus vite. Ah oui, très bien, donc des Elytra, hein, bien sûr. Ok, et bah c'est parti mon kiki. Première épreuve. Et ça c'est fait. Allez, la première mort. Salut à toutes et à tous. N'oubliez pas le pouce bleu. On est parti du coup pour la première épreuve. Oh là là. Ok, ok, ok. Aïe. Non, ça c'est dommage.
Oh, ça c'est dommage, c'est bon. Je ne peux pas compléter ce puzzle stupide, aidez-moi. Ah, il y a un puzzle à faire. Monsieur, je vais vous aider, pas de problème. Oh, et la lumière fut. C'est gentil déjà de m'allumer la lumière. Il faut compléter ce puzzle. Tain, on fait déjà deux énigmes. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire là globalement? Il faudrait alimenter toute la redstone de sorte à ce que ça ouvre ici, que ça allume cette lumière. Voilà, il faut que cette lumière soit allumée. D'accord. Oh là là, ça va être très très chiant ça, cette histoire. Alors, commençons du début. Si je marche sur cette plaque, il se passe que dalle. D'accord. Là, je ne peux rien changer. Hein. Je ne peux que appuyer sur les leviers. D'accord. Moi, j'ai envie de te dire que tout ça, c'est très bonus. Hein. Parce que là, c'est déjà allumé. Il faudrait juste réussir à ramener le système ici. Ah, voilà. Ok. Là, la redstone, elle peut pas passer. Il y a une barre ici. Mais là, si je l'enlève, il n'y a plus la barre. Donc là, ça passe. Là, il faut que j'enlève. Ok, c'est facile. Hein. C'est le début facile. Là, ça passera. Là, ça passera. Donc, le problème. Ah! Voilà! Ok. Là. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Donc, ça bloque là-bas. Non, c'est bon. Et voilà. J'ai réussi l'énigme. Voilà, je suis pas peu fier. Je suis pas peu fier. Je vais juste. Est-ce que j'ai la musique activée? Pas du tout. Si ça se peut, il y a de la musique qui s'activera par la suite. Donc, on va quand même l'activer. Stone Hollow Ruins. Ça commence directement avec du PVE. Je peux prendre ton épée peut-être? Take a sword. Tu sais que je peux prendre une épée? Là, il y a une épée. Parfait. Bah, donne-moi l'épée du coup. Oh! Donne-moi l'épée! Comment je fais pour prendre l'épée? Bah je... Ah ok, ouais, je suis un petit peu débile. Je vais juste enlever le shader, les amis, parce que bon, c'est très joli hein, en extérieur, mais là... Oh là, je suis tout rouge! Au secours! Voilà, c'est très joli le shader, mais c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, donc c'est un peu terrible. Ok, c'est parti! Donc c'est un mélange d'ailleurs de parcours, là, qu'on peut constater. On va regarder une potion de fatigue qu'on va pouvoir donner aux ennemis si jamais on est dans la galère. C'est un peu une sorte de parcours, là. Où c'est que je serais censé aller, là? Vérifie s'il n'y a pas des trucs. S'il n'y a pas des trucs cachés. Ah non, ça j'ai déjà ouvert. Attendez, je vais remonter voir. Par ici ça mène où là? Par ici ça mène où? Oui voilà, regardez, je peux passer par là. Oh, ça c'est gênant. Bon bah c'est pas grave. Voilà, me voici tout en bas hein. À cause des élytras bien sûr. Bonjour monsieur. Je vais tuer absolument tout le monde. Ouais, en fait il faut que je remonte là. J'aurais pas dû descendre. Donc le jump en fait c'est pour pouvoir remonter. Ok. Très bien. Là je peux monter par là. Hop hop. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, c'est super intéressant. Déjà là on vient de faire 3 mini-jeux en fait en introduction. Donc c'est plutôt cool. Allez. Le jump, aucun problème. Là ça va être assez cocasse. C'est bon, ça passe crème. Alors, ça c'est dommage. Il me reste 2 coeurs, même pas, 1 demi-coeur. Ok, alors on va essayer de régén. Ok. C'est bon, les cœurs remontent tranquillement. Ça fait du bien là, une petite map aventure à l'ancienne en fait. Hein. Franchement, c'est. J'ai des particules de sang, ça c'est super bien fait. Eh. Super bien fait, ça je m'y attendais pas. Très bien. Alors on continue de régénérer un maximum parce que là le squelette il va nous shooter. On va rien comprendre. Voilà, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, par contre il rigole pas lui. Alors, comment on va faire? Est-ce que je cours et je m'accroche à la vie? Oui, on va essayer. Hop là! Ça c'est dommage. Oh purée, j'ai eu de la chance. Une fois que je suis là. Ah ah! Je peux casser peut-être. Non, je ne peux pas casser. J'ai trop le seum. Il m'avait dit quoi le monsieur? Prends une épée, tue les monstres. D'accord. Et on peut revenir pour réescalader si on tombe. C'est ce que j'ai fait du coup dès le début. Ok, mais il faut faire quoi là? Faut que j'aille chez les squelettes peut-être. Il faut peut-être que je tue tout le monde. C'est pas impossible. Alors toi tu vas rien faire du tout. Alors là le problème c'est qu'il a déjà armé son truc là. C'est bon, il a désarmé. Alors ok, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Le problème c'est que là j'ai 3 coeurs et demi. Donc on va pas aller bien loin. On attend juste qu'on régène et on le fume hein, sans problème en fait hein. Allez, c'est parti. Ok. Et voilà, on a tué tous les monstres, ça a ouvert derrière, impeccable. Ok, j'aime ce qui se passe, ça commence à me plaire. Et on se retrouve ici avec Resting Room,
One time use. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est la suite, hein, clairement. Resting room. Ah, bienvenue, aventurier. Reste autant que tu veux. J'imagine c'est pour pouvoir faire un petit checkpoint. Ok. On a donc le checkpoint. On peut passer à la suite. Ah! Mais fallait me prévenir, ça! Il y a un boss. Ok. Bon, bah, le boss en carton. Heureusement, toi, déjà, ça dégage. The last corridor. Let's go! Impeccable. Bonjour à tous. Eux, évidemment, ils ont pas intérêt à se transformer en méchant. Je peux récupérer? Non, pas du tout. Alors, attends, je vais m'équiper de son armure, là. C'est pas mal. Elle va péter d'un instant à l'autre, mais c'est pas grave. Et on se retrouve... On se retrouve, j'allais dire, au monument de la victoire, mais pas du tout. Mais on reconnaît, bien sûr, l'âme d'une map CTM, bien sûr, où il y a les différents niveaux. Hein. Oh, j'ai pas eu le temps de dire. What's the passcode? D'accord. Pourquoi je vole? C'est pas sympa, ça. D'accord. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Alors, what's the passcode? Nous avons du papier. Nous avons une enclume. Et des bouteilles d'enchantement. Donc je peux noter le code. Et après je le jette où le code? Je ne sais pas. Probablement là-dessus. Donc il faut que je trouve un code. Ok. Eh ben cherchons le code, il n'y a pas de problème. Sachant qu'un code en général c'est 4 chiffres. Attendez. Et là je vais me brûler, là si je vais là je peux pas. De toute façon il n'y a rien à voir derrière. Il faut que je trouve un code. C'est génial. C'est génial. Et ça va ouvrir les portes là, regardez derrière. Je pense que là il y a un niveau qui nous attend derrière. De même ici je pense qu'il y a un autre niveau derrière. Bon bah on va ouvrir. Ah voilà. Green is a sign of hope. Le vert c'est la couleur de l'espoir. Si tu veux. D'accord. Alors concentrons-nous sur le vert. Juste ici. D'accord. L'espoir. Bon, on a plusieurs essais, mais avant de faire n'importe quoi... Sign. Oh putain. Et ben voilà. X, Y, Z. C'est les coordonnées. C'est les coordonnées. Alors attendez. 19977. Hein. C'est par ici. 19900. Pas du tout, c'est par là-bas. 19077, ok. 123, je suis à la bonne hauteur. Et... 20, 142. Oh, sa mère en slip. Incroyable. J'adore le jeu, voilà, ça y est. Ok, cool. Donc nous avons ici: the code is a block affected by gravity. It's a 5-layer block that can fix your tools. Ok, donc c'est quelque chose qui a un rapport avec la gravité, qui a 5 lettres et qui peut réparer les outils, donc c'est l'enclume, A-N-V-I-L, Anvil. Ce qui va nous permettre d'ailleurs de renommer le papier, donc le code en fait c'est tout bêtement ce truc là. Oh c'est génial. On va voir si c'est bien ça, hein. A-N-V-I-L, ouais c'est 5 lettres. Je le jette. Formidable. Formidable. C'est génial. Peut-être faut que je mette dedans. Ah. Ah je me sens con. C'est bien ça, Anvil. Ça s'appelle comme ça en anglais. À moins qu'il faut pas mettre de majuscule. Pourquoi il y a ça? Green is a sign of... J'ai l'impression de faire un escape game. Alors c'est ça un peu là le but, c'est un peu un escape game. Je vais en faire un ce soir dans la vraie vie, donc c'est assez rigolo. Green is a sign of hope. The passcode. Oh putain, il y a un bouquin. Alors, le final corridor contient des challenges de fin que vous devrez compléter avant d'entrer dans la safe zone. You must simply enter the correct 5-letter code. Letter must be all lowercase. Eh bien voilà, il faut que ce soit tout en minuscules. Voilà, fallait qu'on trouve cet indice. Donc il faut que ce soit en minuscule A-N-V-I-L. Et voilà le travail. Et vous pouvez me pépon le dard. Ça c'est fait. Ah je suis content. Ah je suis content. Là j'avoue mon... Eh, mon ego. Mon ego est satisfait. Alors. Eh ben on se retrouve au hub. Voilà la, le nom de la map du jeu. C'est formidable. Donc nous avons le checkpoint, j'imagine bien. Hub.
Oh non, on s'est fait clear l'inventaire. Ancient Stashy, donc ça c'est le dernier truc qu'ils m'ont laissé. Très bien. Bonjour. Alors, est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir cette musique en fond? Je suis pas persuadé. Bienvenue to the hub. Maintenant, alors j'ai du mal à comprendre. Well, it means humanity. Donc l'humanité qui va être dans une base souterraine, bien sûr. Donc j'ai bien compris. Après l'apocalypse des monstres, j'ai rapidement ouvert le passage secret pour voilà, arriver dans les souterrains globalement. Donc là, je pose la question. Pourquoi tu n'as pas fait un escalator directement, enfin un ascenseur? Ou alors pourquoi tu as fait ça si difficile? Bon, ce qui revient au même. Voilà, très bien. Donc là, il explique un petit peu le tout. Hein. Il a tout fait par lui-même. Il voulait faire un safe bunker au cas où il y a une catastrophe. Très bien, on va lui demander comment il s'appelle. C'est le Hub Master, très bien. On va l'appeler Master, très bien. Comme je l'ai dit, les monstres. Il y en a qui ont pu rentrer à l'intérieur. Donc c'est un peu difficile de traverser le hub. Donc il va falloir réparer. Va falloir réparer les portails. Hein, comment... J'essaye de traduire, hein, voilà, pour les anglophobes, j'ai un peu du mal là. Va falloir voilà, réparer un petit peu, voilà, et puis résoudre des puzzles, vous l'aurez compris, etc. etc. On a bien compris. Et donc voilà, pourquoi il a créé un hub dans cette cave? Et bien tout simplement parce que cette cave contient 9 magic shards. Donc les magic shards, c'est des cristaux, si je dis pas de bêtises, 9 cristaux magiques. Donc vous l'aurez compris, le but du jeu, ça va être de réunir ces 9 cristaux magiques. Et donc, il y aura 9 épreuves au total à accomplir. Voilà, c'est ça le principe d'une map CTM. Donc il a besoin de 8 helping hands to help finding the remaining shards. Ok, bah j'ai tout compris. Pourquoi il en demande que 8 alors qu'il en faut 9? Il a déjà... Ah, il en a déjà un des 9. Donc du coup, on a 8 épreuves à faire au final. Très bien. Ok. On va explorer. Let me ask the question, would you like... Bah ouais, je suis chaud. Je suis très très chaud. I have a sneezy new color. Oh la vache! Il a tout fait péter le fou. Bonne chance dans votre voyage. The white shard has been obtained. Donc voilà, on a déjà la première, le premier cristal, la première larme en fait. C'est une larme du coup, shard. Bon, t'as compris. Donc on a déjà le premier des 9 du monument. Très bien, bah écoutez, on va du coup un petit peu explorer, c'est magnifique. Très joli, on a déjà... Mais on est... C'est, il fait froid là ou... On a un igloo avec que dalle. Très bien. Eh bien écoutez, on va essayer d'explorer, on va voir si on peut trouver le monument éventuellement, ou est-ce qu'il faut trouver tout de suite la prochaine épreuve, je ne sais pas. On a une enclume également là. Là c'est bloqué. Donc on peut déverrouiller je pense. Ok, on va se faire une petite protection. Oh bien. Attends, je récupère tout ce que je peux moi là. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Voilà, j'ai 2 stacks de steak mon pote, une épée en bois. D'accord. Et une shard bundle. Je vais pouvoir mettre peut-être dedans. Pas du tout. Je sais pas à quoi ça sert. Comment on fait pour... Bon, j'imagine que les deux sont étroitement liés. Ok. Ok, ok. Je pense pas que j'ai besoin du casque en vrai, Turtle Shell. Bon, dans le doute, je l'ai quand même pris. L'épée, bah, j'en ai besoin. Ok, bah écoutez, on est parti. Du coup, on va un petit peu voir. On va commencer par la droite. Voilà, on va un petit peu se balader du côté droit. Je fais toujours le côté gauche en général, mais là, j'ai vraiment envie de... De commencer par la droite pour un petit peu changer. Regardons un petit peu ce qu'on a, les différentes structures. Ah, ça doit être une épreuve celle-là. En fait on dirait un peu un truc pour se téléporter. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas, ça se trouve je dis une grosse connerie. De toute façon visiblement on peut pas rentrer dedans comme ça. Ok. Ouais là aussi il y a le même truc. Petite fontaine. Ouais c'est censé être vraiment une ville souterraine pour faire un peu paisible en temps de crise à l'extérieur quoi. Bon, si je puis me permettre, c'est pas très... Moi, ça me fait pas trop kiffer. Hein. Ça me fait pas trop kiffer cette ambiance, n'est-ce pas? Bon, voyons voir. J'espère juste ne pas passer à côté de quelque chose. De toute façon, là, on peut pas monter, ça sert à rien. Ok, il y a une tête ici. Non, c'est des noix de coco. Ok, une sorte de très bien, de cacao beans. On a un temple ici. Oh, pas mal, petit temple. Donc, on va pouvoir monter à l'intérieur.
Ok, bah écoutez, allons-y gaiement. Si ça nous mène à quelque part d'intéressant. Bien sûr, c'est une map qui peut se jouer à plusieurs, hein, mais j'ai vraiment voulu faire ça tout seul pour cette petite aventure de vous à moi, de moi à vous. Ok. Bah allons-y. J'imagine, c'est une tête de slime. Vas-y, j'y vais. Je vais me retrouver bloqué. Non, c'est bon. Slime de slime. Hello, it's me, slime de slime. Ok, bah ravi de vous rencontrer, hein. Je me suis réveillé un jour et un étrange homme m'a dit de garder cette place sécurisée pour les intrus. Voilà, donc je ne suis pas un intrus, bien sûr. On va essayer de passer un petit peu tout ça parce qu'il m'a... Oula. Push it and you'll find it's hidden on the behind. Ah, son truc préféré. C'est quoi son truc préféré? Je ne sais pas c'est quoi ton truc préféré, moi. C'est quoi ton truc préféré? Faut que je te pousse? Ah, j'ai pas compris là. Déjà, on est sur une première énigme. Ah, voilà. En fait, il aime se faire toucher les fesses, quoi. D'accord. Et donc, ça a ouvert un passage secret. D'accord. Oh, waouh! Et on va voir notre première vraie épreuve. Ok! Pas mal! Pas mal du tout. Alors, désolé, j'aime bien voir les fontaines. Allez, c'est parti, on y va. Téléportation pour la première épreuve. Ok. On y est. Et on se retrouve ici. Click to open. Attends. Bouge pas. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-haut. Il n'y a que dalle. Mais hey, vous me connaissez. J'aime bien aller au bout des choses. J'aime bien voir quand même. Non, ok, c'est bon. C'est la fin du décor. Très bien. Allez, c'est parti. On va ouvrir. Hop. Et alors, qu'est-ce que c'est comme? Parce que c'est vrai qu'on sait même pas qu'est-ce qu'on va faire là. Est-ce que c'est un quiz? Est-ce que c'est un parcours? Est-ce que. Je viens de faire pop un coffre avec une bûche en bois et de la stone. D'accord. Et je peux faire ça répop à l'infini. Pas mal. Pas mal du tout. J'ai un piston. En rétractant le piston, je vais pouvoir ramener le bloc de redstone et allumer la lampe. D'accord. Ben, c'est super. Beaucoup trop de redstone à mon goût là. Alors, il faudra peut-être. Non, je vois pas ce que je suis censé faire. Alors, déjà, je peux pas poser de bloc. Ah! Ok, c'est bon. Hop, on va faire tout simplement un levier. Voilà, allez hop, c'est bon. Heureusement, pour le moment, c'est facile. Ah non, on peut pas faire de levier comme ça. Donc, on va faire un bouton. On va faire un bouton que je ne peux pas placer. Donc, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Je me suis senti frais pendant un moment. Ah! Attendez. Ah non, je peux pas monter. Ah fuck. Je pensais qu'on pouvait monter là-haut. D'accord. Y a pas un indice à quelque part. Y a pas un indice à quelque part. Non, là, y a pas d'indice. D'accord. Bon, on peut pas sauter dans la lave déjà. Il y a un mur invisible qui nous en empêche. Ça, il faut le savoir. Ah ah. Voilà quelque chose qui est très intriguant. Je ne peux pas poser de bouton. Mais avec le levier, mais bordel. Attends, mais voilà, on peut faire ça. Une plaque de pression, peut-être. Plaque de pression. Non, je ne peux pas la poser non plus à nulle part. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ah! J'ai compris. On va faire des boutons en bois et faut les poser sur les émeraudes. Pas du tout. Toujours pas. Putain, mais c'est un truc de ouf! Alors là, j'ai tout imaginé. Je vois pas comment. Il faut activer le piston là. De sorte à ce qu'il récupère le bloc et qu'il le mette ici. Pour activer le piston, là en tout cas, on a un observer bloc. Donc pour ça, en fait, il faudrait que cette feuille là disparaisse ou prenne feu. Il faudrait que ça prenne feu. Pour que ça active. Il faut qu'il se passe quelque chose là en gros. Hein. Je peux faire quoi avec ça? Rien du tout. Qu'est-ce que je suis censé faire?
Eh ben c'est génial. On m'a donné une stone. Ah, peut être placé sur bloc d'émeraude. Putain, quel débile. Ouais, d'accord, c'est bon. Donc en fait ok, c'était pas ça la solution. Ok, ça réinitialise. D'accord. Ok, déjà j'ai compris. Donc on peut que utiliser une stone et une oak log. Peut être placé. Les deux peuvent être placés sur émeraude. Donc une là et une là. Oh la vache, à la gigine. Eh ben ça commence bien. Hop, on continue. Eh oui, on continue. Donc là on est vraiment sur de l'énigme. On est sur de l'énigme. Donc là le but du jeu ça va être de qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut déplacer quoi? Ah, faut déplacer ça là. D'accord, faut déplacer ça et le mettre sur l'émeraude directement hein. Donc rien de plus simple. Rien de plus simple. Bah déjà là j'ai merdé. Ah non. Ok, tac. Tac. Là ce sera pour après. Ah ok, c'est bon, j'ai le truc. Attendez. Ok. Là. Ah. Là je me suis enflammé. Là ce sera pour la fin. Là ce sera pour clairement la fin. Tu vois là tu le pousseras à la fin là. D'accord. Alors comment faire pour Et ben voilà. Très bien. Ensuite. Ah. Attends, de toute façon. Ah, j'ai pas le choix de faire ça. Pouloulou le casse-tête. Là, on va avoir un petit problème. On va avoir un petit problème, les copains. Attendez, je veux réinitialiser. Je peux réinitialiser ou pas? On peut pas réinitialiser. Voilà, comme ça, l'affaire est réglée. Le truc est là. Si je rétracte ça, évidemment, ça ne peut pas marcher. Si je récupère là, ça, c'est bon. Ça, on s'en fout. Là, il n'y a vraiment plus rien à faire. Ces leviers-là, ils servent à rien, hein, pour le coup. Ah. Ah. Attends. Ok. C'est bon. C'est bon, fallait activer le tout premier. Là, hop, t'actives lui. Hop, terminé, pesé, remballé. Merci à toutes et à tous. J'adore la map, c'est incroyable, franchement. Quel plaisir. Ça stimule le cerveau. Ok, très bien. Donc là, maintenant, on a un CD rouge, un CD vert, un CD bleu, un CD au milieu. Ah! Ok, il faut trouver leur musique initiale, à mon avis. Et sauf que je ne connais pas du tout, moi, les CD, quelle musique ils sont censés faire. C'est un petit peu terrible. C'est possible, ça c'est une nouvelle musique du jeu, donc c'est un nouveau CD. Non. Non. Donc je vais dire ça. Ensuite. Aucune idée. Alors le vert, il me semble, c'est une musique qui fait peur. Genre celle-là. Alors là, mon pote... Ça me paraît curieux.
Bon, j'ai compris ce qu'il faut faire, quoi. Faut trouver la musique. Faut trouver la bonne musique qui correspond, mais j'en ai absolument aucune fichue idée, en fait. Je ne sais pas du tout. Pour moi, bon, la verte, pour moi, c'est celle-là. Ah, ou celle-là, mais... Ah, peut-être celle-là, en fait. D'accord, bon les amis, évidemment il fallait bien que je cherche sur internet. Donc je suis allé, vous savez, sur le wiki de Minecraft. Et j'ai regardé en fait tous les CD qu'il y avait, toutes les couleurs. Et j'ai écouté chacune de ces musiques. Donc là j'ai tout bien configuré, la rouge, la verte, la bleue. C'était pas du tout ce que j'imaginais. Et puis la blanche, voilà, qui est donc cette musique là, qui est combinée à l'autre à côté. Donc on n'a pas trop l'occasion d'écouter. Allez, on se casse, merci à tous. Open the door. Nous avons ici des cannes à pêche. Minecart avec des cannes à pêche. Si j'appuie dessus, il ne se passe que dalle. Ah, c'est pour... Pas du tout, ça ne change rien. Le minecart est censé aller à gauche. Ensuite là, il va activer ce hopper ici, en théorie, qui va donc créer une impulsion et activer ses commandes blocs. 7 blocs. D'accord. Qui va donc ajouter un bloc à la fin, je sais pas où. Ensuite il va monter là et c'est tout. Attends, déjà on va faire le test. Vas-y, monte, n'aie pas peur. Voilà, ça vient d'activer un bloc ici. Très bien. Et une fois ceci fait, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Ça va rien changer du tout à ma vie. Je viens de faire dérailler le machin. Attends, ça on a dit on s'en fout. Stone button, très bien. Je peux pas le... Ah, j'ai réussi à le remettre. Donc à la limite on peut le faire aller là-bas. Non, on peut pas le faire changer de... Alors il faudra désactiver ça, voilà. Donc là maintenant on va le faire aller là-bas. D'accord. Vas-y, monte, n'aie pas peur. Ce qui va activer cette redstone là. Donc éteindre la redstone là. Et censé se passer un truc ici. D'accord. Ok, on va faire redescendre le minecart. J'essaye de... Je vais suivre le bordel, hein, c'est tout, hein. Là, ah bah voilà, j'ai réussi j'ai résolu l'énigme. Me demandez pas tout, comment ça fonctionne. J'en ai pas la moindre idée. Oh là, on a tout plein de moutons. Des cisailles et un bouquin. C'est le final puzzle. Alors, Amber is above Violet. Crimson is on the same row as Amber. Oh là 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 là. Bon, déjà, on a Ambre qui est au-dessus de Violet. Et Ambre, ça veut dire quoi? Ah, Ambre. D'accord. Ambre. Ambre est là. Comment je me suis retrouvé bloqué? C'est bon. Ambre est là, elle est au-dessus de Violet. Bah ouais. Crimson is on the same row as Amber. Crimson, Amber. Crimson, Amber. Oh, je peux. C'est, ok. Jade touche le plus les couleurs. Jade. Évidemment, Jade, elle va être toute là-bas. Voilà, d'accord. Elle touche le plus les couleurs. Mais qu'est-ce que je suis censé faire là? Good luck on the final puzzle. This should be all the info you need in order to complete the tru-tru grid. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec les super shears? Does whatever a shear can. Donc je dois les tondre. Voilà. Je les ai tondus. Je les ai tendus, et alors il se passe quoi? Rose, là il y a Ambre et là il y a Rose. Bah oui, ils sont pas dans la même colonne, je sais bien. En fait je comprends pas la logique, je veux dire là il te dit en fait tout ce que tu vois de toi même. Ça c'est clair. Tout ce qu'il y a là, c'est... j'ai bien compris. Alors est-ce qu'il y a un ordre de tonte? Je pense bien. Mais là je vois pas. Et je viens de les tondre comme un con. J'ai pas de bouton pour réinitialiser. C'est fort ennuyeux. C'est fort ennuyeux. Comment je suis censé réinitialiser moi? Ok, je viens de remarquer. Can be placed on reinforced display. Donc on peut... Ok, on peut placer ces blocs
sur de la deep plate là. C'est les blocs profonds là. Les blocs là. Oh, ok, let's go. Ok, let's go, c'est bon. Ok, let's go. Du coup, rose, rouge, orange. Rose, rouge, orange. C'était quoi ce bruit? Oh. Ah, ça veut dire qu'elle est bien placée, peut-être. Ensuite, on a mauve, blanc, jaune. Mauve, blanc, jaune. Ok. Et on a bleu, vert, vert. Bleu, vert, vert. Ça ne marche pas, mais c'est bien ça qu'il faut faire. Je suis content là. D'accord. Donc, ok. Amber is above violet. Ambre est au-dessus de violet. Attends, le seul truc qu'on sait qui a fonctionné, c'est le rouge. Déjà. Le rouge, ça a fonctionné. Comment il s'appelle le rouge? Crimson. Ok. Crimson is on the same rose as Amber. Mais Amber, on sait pas où c'est qu'elle est censée être. Si. Crimson, c'est rouge. Attendez. Crimson, c'est rouge. On sait que c'est au même endroit que Amber. Et Violet, c'est bien violet. Ok. Les gars, normalement, je suis un génie. Ah. Mais c'est bien ça. Crimson is on the same row as Amber. Ah, peut-être que row c'est la ligne. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas ça. Oh là là, je suis perdu. Amber is above violet. Amber, c'est jaune. C'est rose is on the top row. Ah, rose, elle est tout en haut déjà. Ok, LG bonne. Les deux j'ai bon, d'accord. Impec. Là les deux sont bons. Ok, attendez, il y a moyen qu'on va y arriver en fait. Snowflake is on the bottom. Alors Snowflake, j'imagine c'est blanc. Ouais. Donc au bottom. Non. Ok. Facile. Jade touche the most colors. Jade, c'est celle qui est là-bas, je crois. La verte. Donc elle doit être au milieu. Oh putain, c'est incroyable ce qui se passe. Je suis anglophone. Très bien. Jade is between Saphira and Snowflake. Donc Jade, elle est au milieu de Saphira et de Snowflake. Jade. Jade. Jade, c'est elle, hein. La vert. Elle est au milieu de Saphira et Snowflake. Donc Saphira, elle est en haut. Et Saphira, c'est la bleue foncée, là. Hop, donc la bleue foncée, elle est là. Oh putain, c'est bon ça. Ok, on y arrive. Rose n'est pas dans la même colonne de Amber. Donc Rose. Amber, c'est qui Amber? C'est la jaune. Donc elle est là. Oula. Voilà. Et bah là, maintenant c'est un peu du hasard. Ok. Dommage. Ok. Et le dernier. Ok. Puzzle complété. The Green Home Portal has been opened. Putain, je suis tellement content. Et j'en ai chié par contre. Pour tout comprendre. Hein. Et on se retrouve avec notre première premier cristal. Voilà, green shard. Let's fucking go. On aura terminé notre tout premier puzzle, les amis.
Du coup, je dois faire quoi avec? J'imagine que je dois faire demi-tour. Ok, let's go. Ça c'est fait. Ça également c'est fait, les doigts dans le nez. Hein. Cette épreuve là du minecart c'était la plus simple. Il suffisait juste de se laisser un petit peu vivre, j'ai envie de dire. Les CD, ben fallait un petit peu tricher parce que ben moi forcément je connais pas même les nouvelles musiques de Minecraft, j'avoue. Ça c'était ok, franchement. Ça me rappelle vraiment Diversity à l'époque, hein, pour ceux qui ont la ref. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait un let's play sur Diversity le dernier avec Dragon Alpha et Creo. N'hésitez pas à les regarder. Il y avait également Anaïs. Voilà. Ok, on est de retour du coup ici chez Slime, Slime de Slime. Très bien, Slime de Slime. Goodbye! Ouais! Ah, il faut que j'arrive à sortir. Ça, c'est encore autre chose. Impec. Donc, on a notre premier cristal. Donc, le cristal bleu. Enfin, premier, du coup, c'est notre deuxième. Mais notre premier vrai, hein, du coup. Alors, par contre, je sais pas du tout où est le monument de la victoire. Pour pouvoir les placer. Je sais pas du tout s'il y en a un ou pas. Parce que des fois, il y en a pas forcément. On va juste continuer un petit peu de faire le tour. On va s'en arrêter là en tout cas, les amis, pour cet épisode, ce premier épisode de cette map CTM. Donc ouais, il y aurait peut-être un épisode par épreuve, éventuellement, hein, c'est ce que je pense. Donc peut-être 7 épisodes au total, 8, 7, 8, ouais, quelque chose comme ça. On verra ça tranquillement, dans tous les cas, sans pression. J'ai un petit bouton là. Non, je peux pas les appuyer. On a une petite maison ici. Bah écoutez, on va se quitter dans cette maison, bien sûr, les amis. Get a rewards. Hit a bullseye. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Bah voilà. Ah mais c'est décoratif, c'est ça? Attends, je vais essayer de rentrer. Ah, y a pas moyen de rentrer, d'accord. Je peux pas, d'accord. Je ne peux pas rentrer, d'accord. Je pensais qu'il y avait un truc. Je ne peux rien faire, c'est juste décoratif, d'accord. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre que ce soit décoratif, ça, quand même. Ah, voilà. J'ai bien fait. Ça vient de faire apparaître ce truc là-haut. D'accord. Enfin, je pense. Merde. Alors, qu'est-ce que ce machin, là? Déjà, comment je suis censé monter là-haut, je ne sais pas. Ça a même réparé l'arc en fait. Ah non, ça m'a donné un. Non, ça m'a donné un arc infinity. Eh ben alors là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode, cette première vidéo sur, sur la map CTM. Pour l'instant, j'ai envie de dire gros GG au créateur, Eddy et Tofu. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important pour me soutenir, le petit like, le petit commentaire également pour me faire part un peu de vos retours. Et nous, on se retrouve très très vite pour le deuxième épisode de cette nouvelle aventure. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.